Je sors à l'instant de l'Assemblée nationale où j'ai été convoqué dans le cadre d'une commission d'enquête parlementaire. Cette commission est nommée donc lutte contre les groupuscules d'extrême droite et donc c'est en tant que porte-parole du mouvement Génération Identitaire que j'ai été entendu. Il faut savoir que cette commission est à l'initiative des députés de la France Insoumise, donc des députés d'extrême gauche, et que la présidente Muriel Rességuier demandait elle-même il y a quelques jours la dissolution de Génération Identitaire. Cette audition a été menée à huis clos. Encore une fois, il y a une réelle volonté de nous faire taire, de nous couper la parole, de nous empêcher de parler tout simplement. On connaît tout ça. On subit une censure sur les réseaux sociaux. On subit une suppression de nos moyens de paiement, l'interdiction de nos manifestations, la tentative de fermeture de nos locaux. Et à cela s'ajoutent bien sûr toutes les poursuites judiciaires que l'on connaît. Et aujourd'hui, cette audition à l'Assemblée nationale. En réalité, faute d'arguments sur le fond, c'est un peu un aveu de faiblesse de la part des députés d'extrême gauche qui souhaitent nous museler, qui souhaitent nous faire taire. Mais on restera déterminés, on continuera à agir, à porter notre message et à s'engager pour notre identité.